au direct. Mesdames et messieurs du corps diplomatique et consulaire,
Mesdames, Messieurs, policières, policiers, Mesdames, Messieurs, tout protocole respecté. Aujourd'hui, je suis en communion avec vous au nom du gouvernement pour prendre la parole à cette cérémonie d'hommage au commissaire divisionnaire Agri Hugo, inspecteur général d'Antitrouboustu. Un citoyen haïtien, un professionnel et policier exemplaire, lâchement et brutalement assassiné en revenant de son travail à l'Académie de police. J'aurais sincèrement préféré ne pas avoir à parler aujourd'hui, mais il est de mon devoir de le faire, car en aucun cas, la douleur ne saurait se substituer à l'obligation de nous sauver et d'apporter du réconfort à la famille meurtrie d'un grand serviteur de la République, à ses amis et proches, ainsi qu'à tout le corps de la police nationale qui, plus que jamais, a besoin de se sentir soutenu, remercié et honoré. L'inspecteur général Arlington Rigaud a passé la moitié de sa vie et toute sa vie d'adulte à servir dans la police nationale d'Haïti avec le sens le plus abouti de l'honneur. L'histoire de l'institution est donc la sienne également. Il est de cette cohorte de jeunes officiers de police formés à l'Académie de police haïtienne et à Fort Leonard Wood, entre autres, dans le Missouri aux États-Unis. Même son jusqu'à sa mort le 25 novembre dernier, dans des circonstances révoltantes, l'Académie nationale de police, son alma mater et aussi son lieu d'affection, a été son terrain de jeu favori en qualité de ressource, devant assurer de hautes responsabilités à un moment crucial de l'histoire contemporaine haïtienne. Mesdames et Messieurs, l'inspecteur général Arlington Rigaud, juriste, normalien et policier, avait compris peut-être mieux que beaucoup d'entre nous que notre pays a besoin de femmes et d'hommes qui se donnent et assument une mission, celle de se sacrifier pour assurer la protection et la sécurité de son pays. Aujourd'hui, la République et sa police pleurent l'un des meilleurs parmi nous. C'était un serviteur de l'État qui a consacré 25 ans de sa vie à la formation de celles et ceux vaillants policiers qui ont prêté serment pour protéger la République et sa population. Ce 25 novembre 2022, l'inspecteur général Arlington Rigaud n'est pas rentré chez lui. Il a été lâchement assassiné parce que la noblesse de son travail ne pouvait pas le protéger de tous les dangers. Arlington Rigaud a toujours porté l'uniforme de la police en respectant et faisant respecter les exigences de son engagement. La République ne pourra jamais admettre que ce acte lâche reste impuni. Il n'y a que la justice qui a le pouvoir de soulager ceux qui ont perdu un être cher qu'ils ne reverront plus jamais. Arlington Rigaud était un homme de bien, une personne exemplaire pour la République, sa famille et ses collègues. Mesdames, Messieurs, l'inspecteur général Arlington Rigaud est mort parce qu'il inquiète tous ceux qui ont fait le choix de refuser la paix, la tranquillité et l'ordre républicain. L'État doit mener le combat. L'État va poursuivre et réprimer tous ceux qui alimentent nos douleurs comme celles d'aujourd'hui. Le dernier mot reviendra à l'État et aux lois qu'il fonde. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique y veillera. L'inspecteur général Arlington Rigaud était un dépositaire de l'autorité publique. Sa mort ne doit et ne peut rester impunie. Mesdames, Messieurs, le Premier ministre Ariel Henry et le gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir présentent
leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de l'inspecteur général Harrington Rigaud et à la police nationale d'Haïti. Notre seul rempart contre la criminalité et les violences de toutes sortes. Pour rendre un hommage complet au directeur de notre Académie de police, notre Académie nationale de police, et pour que la République le remercie pour tous les services rendus, il faut que justice soit faite. Il faut transformer la révolte qui nous habite aujourd'hui, faire en sorte que de tels actes qui avilissent notre humanité ne se produisent plus. Il ne doit pas avoir de paix pour les terroristes. Ils doivent être traqués et répondre de leurs actes. Jamais nous ne devons laisser se banaliser le fait que la moindre agression, je dis bien la moindre agression contre un dépositaire de l'autorité publique, puisse ne pas entraîner contre son auteur des conséquences lourdes, rapides et certaines. Le temps de la justice paraît long, peut paraître long. Il l'est, sans doute, dans un contexte de doute et de confusion soigneusement entretenu. Mais ce sont dans ces sombres moments qu'il faut mener le combat pour le bien, celui dont le seul étendard est la conviction qu'une société meilleure est possible. Nous devons continuer de mériter à Milton. Ceux qui, ce 25 novembre, ont vu, entendu, doivent parler. Dans ces cas-là, la dénonciation doit être un devoir civique. Ceux qui ont vu les assassins doivent parler. Le bien de la population, pour conserver notre humanité, pour rendre hommage à ce grand serviteur de la République que fut l'inspecteur général Harrington Rigaud. Il a essaimé, l'inspecteur général. Il a enseigné à des milliers de policiers qu'il faut respecter les droits de la République, la vie humaine, l'État. Il vous appartient. Il nous appartient aujourd'hui de continuer son travail et d'utiliser tous les moyens légaux pour compléter son histoire d'homme juste et de modèle pour la République. Mesdames et messieurs de la famille de l'inspecteur général Harrington Rigaud, je vous prie de croire en l'affection du Premier ministre Ariel Henry et de tout le gouvernement. Merci, merci d'avoir offert à la terre, pas qu'à la République d'Haïti seulement, un homme de cette envergure. Merci beaucoup. Merci. Thank you.
ça devant barre mon vieux pays ici. C'était quelqu'un d'insatiable qui avait au savoir, qui avait toujours envie d'étudier, envie de savoir. Il suffit de voir son CV et pour comprendre comment il était passionné par les savoirs, par l'apprentissage. Et il a donné sa vie à cela aussi, formateur. Parce que Harrington Rigaud, sur un plan personnel, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de croiser dans deux universités plutôt qu'une. Je suis une ancienne commune de l'école normale. Lui, il était en physique et moi en lettres modernes, et aussi la faculté de droit de Port-au-Prince. C'est une perte énorme pour le pays et moi, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que nous méritions, que nous continuions de mériter Harrington Rigaud. Et c'est une très très bonne décision, monsieur le directeur général, de baptiser cette salle et Harrington Rigaud. Je me mets déjà à rêver d'une plaque va immortaliser le nom de telle sorte que quand on entre dans cette salle, que l'on ne connaisse pas voilà, son histoire, on va se dire voilà, c'est la salle Harrington Rigaud. Il le mérite et il mérite plus encore. Il mérite que nous fassions le nécessaire
pour trouver qui, ou qui sont derrière, qui est ceux qui sont derrière cet assassinat odieux, et aussi que nous continuions de former les jeunes, de leur communiquer ce goût pour le savoir, cet amour pour Haïti. Donc l'héritage d'Hamilton Rigaud est énorme et c'est une très 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 bonne décision que cette salle porte son nom, que nous puissions au jour le jour nous rappeler, citer son nom, voir sa photo et nous dire que tous les jours de notre vie de citoyennes et de citoyens, nous devons penser à ce qu'il nous laisse et ce qu'il a laissé à sa famille, à tous ces jeunes gens, femmes et hommes qu'il a formés jusqu'au dernier jour de sa vie avec la même passion, la même conviction. Merci beaucoup pour Hamilton Rigaud, merci pour tous les jeunes qui habitent ce pays et merci pour les gens qui sont fâchés parce que c'est légitime aujourd'hui d'être fâché, d'être en colère parce qu'on n'avait pas le droit de nous enlever Hamilton Rigaud et nous avons une nouvelle mission toutes et tous, trouver les auteurs et co-auteurs de l'assassinat de l'inspecteur général Hamilton Rigaud. En tout cas, merci de m'avoir permis de prendre la parole, d'évoquer la mémoire d'Hamilton Rigaud et de le remercier encore et encore pour tout ce qu'il a fait et de vous remercier, vous, pour tout ce, pour cette salle, pour avoir pensé à graver son nom quelque part qui, où tout le monde pourra voir, tout le monde pourra se souvenir, aller se renseigner sur le personnage, le grand citoyen, le grand formateur que fut Hamilton Rigaud. Merci beaucoup. Okay.